Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne L'Évangile 777. Et vous allez suivre la leçon de l'école du sabbat avec le présentateur Dilius Félix, André Claudel et Rochnel Assé. Moun ki gen bon comprendre, prend précaution yo. Yo exempté malais. Moun sot yo arrogant. Yo toujours comprendre zafè yo bon. Nous jwenn parole sa yo nan Proverbe 14 verset 16. C'est tout sous toute parole sa yo frère Maxime yo, zami ki toujours a étudié ensemble avec nous yo. Eh bien nous di nou yon go bonjour et n'ap di nou c'est avec même plaisir là nous rencontrer nous matin encore pour que nous capable continuer étudier parole bon Dieu. Nous profiter au même occasion ça pour que nous capable voyer salutation pour tout frère nous yo tant que frère Smith tant que frère Félix et frère Rochnel avec madame ni et nous voyer salutation pour tout monde cap étudier ensemble avec nous sur page là et cap inviter l'autre monde à étudier avec nous sur page là parce que parole l'a dit c'est pour nous faire tout ça nous connaît pour nous prêcher bonne nouvelle au royaume non dans tout monde là et bien laisse ça si nous fait ça comme ça Jésus a capable venir tourner venir chercher nous sous terre ça c'est dans même rubrique ça frère Maxime yo nous continuer nous même chaque jour nous bail tête nous pour mission sur page ou bien sur channel l'évangile 777 là et bien pour que nous capable toujours étudier parole bon Dieu. Juste avant nous commencer avec étude pour aujourd'hui a m'a demandé nous pour que nous capable pour tête nous pour nous prier bon Dieu. Merci pour grâce ou pour l'amour pour tout ça fait pour nous et soit continuer faire pour nous papa nous qui pire dans ciel là. Ou ba nou possibilité pour nous étudier parole ou n'a mande pour ba nou bon comprendre pour que nous capable comprendre parole yo et mettre en application dans la vie nous pi gros bagay pour ta faire pour nous sauver nous pour gloire nous frère Smith est pas tellement bien parce que di pas senti koli frère Félix nous pas gen nouvelle li pour nous konn comment lié frère Rochnel n'a mande au Seigneur pour qu'on capable béni moun sa yo et moun ki malade yo pour qu'on capable ba yo bon rétablissement. Tande crié nous, exaucé prière nous, fait au-delà des espérances nous. Ou bien concernant les écoles du sabbat. Okay. Amen. Nous tourner frère Maxime yo pour qu'il nous capable continuer étudier les leçons du sabbat. Semaine ça okay. Et nous connaît ces promesses là, c'est avec thème ça ou bien avec leçon ça que n'a étudié pendant semaine non et verset pour nous kembe dans tête nous nous te toujours joindre ni dans Genèse 24 verset 1 qui dit non Abraham te fin grand monde il était avancé en âge et bon Dieu te béni Abraham dans toute bagaille. Et nous toujours dou frère Maxime yo depuis ou fidèle depuis ou fait ça bon Dieu mandé ou eh bien ou après bon Dieu a toujours béni on hier nous t'ai étudié ensemble une femme pour Isaac nous t'ai ouais immédiatement après maman li t'ai mouri eh bien et ou t'ai obligé joindre une femme pour que vous êtes capable de marier Isaac, eh bien, femme ça, nous, Isaac, te mené li dans tant maman là, eh bien, femme ça, lui-même, il était baillé tête, li pour mission, il était réconforté Isaac. Maintenant, est-ce que pour Abraham, eh bien, est-ce que Abraham lui-même l'a prêté comme ça après madame ni qui était Sarah, te fin mouri? Eh bien, c'est ça que fait, je dis, ah, nan pati nan peti Dje pou jodi ya, li gen yon poutit, yon fam pou Abraham. Ki fam sa?
En pile moun gen en pile doute sou ça, en pile coup plume voyé sou ça parce que nous connaît yo di nou Abraham li même li te marié avec un certain de Ketura. Donc nous pral wè nan leçon jodi a, eh bien parmi tout coup plume qui fait sous dossier ça, nous pral wè jodi a nan leçon a t'assemblé femme ça c'est pas ta Ketura comme yo rele le Ketura, eh bien c'est assemblé c'est Agar, eh bien femme que et Sarah lui-même servante qu'il te gagne hein que Sarah te bal conseil pour te al coucher ensemble avec lui pour te faire petite que yo rele Ismaël là. Après ça Sarah te tombe fait jalousie qui fait ou te vin mette Ismaël avec tout Agar d'ailleurs. Eh bien, t'as semblé, c'est avec femme ça que, eh bien, Abraham lui-même dit t'es marié après famille, après la mort, madame ni. Les nous lis dans Genèse 24, verset 67, Genèse 25, verset 1 à 8, qui signification dernier événement ça yo, gagné dans la vie Abraham. Après la mort madame ni qui c'est Sarah, eh bien j'aime te dit non, Abraham t'est remarié. Tout comme Isaac, eh bien il t'est réconforté lui-même tout après la mort Sarah. Il t'est réconforté après la mort Sarah par ma femme ni t'est mariée. Mais Sarah lui-même ni t'a doué rester dans l'esprit patriarche. Même Jean, eh bien, Isaac lui-même, il a toujours été dans l'esprit patriarche. Abraham marié, c'est vrai. Mais il dit nous, femme ça, eh bien, l'identité femme ça, il pas clair même. Ça veut dire, même que il dit nous, c'est un certain de Ketura, mais t'a semblé que, eh bien, question de Ketura ça, il y a parlé, c'est pas ta lui-même. Le fait que Ketura lui-même était associé avec petite Agayo, eh bien, yo sans pas mentionner non Ketura, il suggérait cependant que Ketura y a parlé à c'est à Aga. Légalement significatif parce que Abraham était comporté avec petite Ketura yo, même Jean était confélé avec petite Agayo. Eh bien, ça qui voyez nous pour nous capable éviter toute influence spirituelle et il te fait une distinction claire entre petite Sarah yo et entre petite Sarah et l'autre petite yo. Là nous parler de l'autre petite yo, nous t'a dit c'est petite qui était fait avec Agar et petite que lui fait avec Ketura. Il te bail tout bien yo à Isaac. Parce que nous connaissons, c'est Isaac même qui s'est petit promesse. C'est ça fait, Abraham te baille tout bien lieu à Isaac. Tandis que, là, avec petit et si concubine, ça veut dire, nous connaissons, et puis nèg la li même li marié, eh bien, moun li marié et li pat marié ensemble avec lui, c'est concubine. Tandis que, tout bien, li te fait don avec petit qu'elle te fait avec tout concubine yo. Là nous parler de concubine yo, eh bien ta parler de nous ka parler de Agar ou bien tout nous ka capable parler de Ketura parce que yo pas quoi, eh bien Ketura y a parlé à là c'est pas ta Agar. Eh bien classification ça qui fait pour dit madame et petite en petite yo dit ça c'est petite madame mariée ça c'est petite concubine yo li capable impliquer tout statut Ketura tout comme Agar c'était une nan concubine yo. Identification Ketura comme Agar li capable également tout expliquer yon allusion subtile qui était faite nan mémoire Sarah en prélude avec mariage li à Ketura Agar. Vous peut-être qui ça remette Ketura Agar là parce que j'aime te dire non, eh bien Ketura ça t'assemblé c'était Agar. Ça qui est intéressant
c'est que dans Genèse 25, verset 1 à 4, verset 12 à 18, yote bayon lisan de petit que Abraham ni même ni te fait avec Ketura. Et yon lot lisan. Si vous pouvez abonner, fait le counier. L'évangile 777. Ismaël yo, yo te bay tout. Eh bien, peut-être qui ça a été obligé faire généalogie ça après mariage Abraham avec Ketura. Eh bien, nous voyons que Ketura lui-même, il était fait 6 petites pour Abraham. Et à l'opposé, Abraham lui-même, nous t'es connu. Après les 6 petites qui étaient faites à Ketura, il était gagné l'autre 2 petites qui ont parlé de Isaac avec Ismaël qui capable bail une preuve immédiate et bien que promesse bon Dieu envers Abraham non ta capable pour te capable venir petit papa un paquet l'autre nation. Deuxième généalogie au fait concernant petit Ismaël yo petit Ismaël avec petit petit Ismaël yo li gen la donne 12 tribus les notali nan Genèse 17 verset 20 tout comme mais ça lui même n'était passé avec Jacob dans Genèse 35 verset 22 à 26 là et bien alliance que bon Dieu lui même n'était fait Abraham non il était réservé à postérité Isaac tant que Bible là clé tant que nous connaît ni Bible a li même li clair sur point ça et bien c'est promesse ça li pas pour postérité et Ismaël c'était postérité Isaac. Abraham vient mourir. Eh bien, puisque Abraham mourit, eh bien, ça a rapporté des généalogies. Il témoigne aussi bénédiction, bon Dieu. Ça lui-même lui révèle accomplissement, bon Dieu, et accomplissement promesse, bon Dieu, te fait avec Abraham. Yo, parce que nous connaissons Abraham lui-même, lui li mourit, lui pas mourir dans la misère. C'est un monde qui te gagne en vieillesse qui heureuse eh bien et il te vient mourir après un grand nombre d'années que bon Dieu lui-même il te fait promesse là. En fin de compte bon Dieu toujours été fidèle à toute promesse qu'il te fait avec Abraham. Peut-être qui ça parce que Abraham ni même ni était toujours mette confiance li nan bon Dieu. Abraham tant que les soins di nou c'est un serviteur fidèle qui côté foi li représenté nan Bible la comme un grand exemple sinon meilleur exemple de foi qui gen nan Ancien Testament qui capable parler nous les ou di nou n'a gagné pour nous sauver par la foi. Est-ce que bon Dieu lui-même, tout ça le fait pour Abraham, le fait que si on moun pas chrétien, il n'y a pas fait pour vous? Non. Le nom lit dans Genèse, et dans Romains 4, verset 1 à 12, verset m'dare, mais pour nous lit pour moi, n'a pas que bon Dieu lui-même lui fait grâce avec tout le monde. Bon Dieu fait grâce avec le monde qui pas servi lui. Bon Dieu fait grâce avec moun kap servil. D'ailleurs, le bon Dieu lui-même n'était choisi Abraham pour qu'il était capable venir papa yon grande nation. Abraham pour konnen servi bon Dieu. C'est à faire n'a pwè nan Genèse nan Romains 4 verset 1 à 12. Ça, yo mande nou, est-ce que c'était après Abraham te fin si konsi que bon Dieu te vin fè grâce sa yo, lò te si konsi a vle di pou te vin chrétien fò te si konsi? Yo te di non. C'est pas parce que Abraham était si concis. D'ailleurs, bon Dieu t'a fait Abraham grâce avant même d'être si concis. Ça veut dire ou même frère Maxime, ou même qui attendait étudio là, ou même qui prend temps pour étudier la Bible ensemble avec nous, bon Dieu lui-même l'a fait grâce si et seulement si on met au dans condition pour faire grâce. C'est là nous rester avec leçon pour aujourd'hui. Nous va nous rendez-vous yon l'autre leçon ka pi bèl. M souhaite nou passe bonne journée nan nom Jésus.
Merci à vous d'avoir suivi la leçon de l'école du sabbat avec nous sur l'Évangile 777. Nous vous donnons rendez-vous à une prochaine leçon pareille.